Mes premiers mots, c'est pour remercier ces milliers de gens qui n'ont pas cessé de m'adresser leur message de soutien durant ces 9 longs mois. Je voudrais certainement remercier ma femme, Emmanuel, mes enfants. Mes enfants sans qui j'aurais jamais réussi à garder ma dignité et ma persévérance. J'aimerais bien remercier tous ceux qui ont eu le courage de prendre ma défense en dépit des polémiques. Je ne sais pas ce que je vais faire. Pour le moment, je suis heureux d'être libre et, comme je vous ai dit, de pouvoir me consacrer aux choses qui m'ont été défendues.